Allez, salut à vous et bienvenue pour le nouvel épisode de Spider-Man sur PS4. On est parti, Otto voulait absolument qu'on vienne le voir dans son laboratoire. C'est parti, c'est maintenant. Je suis à toi tout de suite. Un nouveau Oh, départ. Regardez les je vois travaux. qu'il y a du nouveau. Alors, on va regarder les travaux. Il faut C'est vraiment qu'on ici. obtienne. Où vous avez eu tout cet équipement? J'ai appelé des gens, j'ai fait quelques emprunts. C'est comme si on recommençait tout à zéro. Mais Il cette a fois, appelé des gens ce et sera fait différent. quelques emprunts. Il est sérieux. Il est en train de partir en couille, l'auto, hein. Vous n'avez pas chômé. Ce n'est que le début. Tu vois, j'ai abordé la question des prothèses sous le mauvais angle. Pourquoi se contenter de rendre aux gens ce qu'ils ont perdu quand on peut leur donner plus? Ok, je pense que ça devrait être bon. Tu es prêt? Y a un problème? C'est de ta faute, Norman, espèce de sale! Eh ben, il n'aura pas votre vote aux prochaines élections. Désolé. Je fais souvent des blagues pourries quand l'atmosphère est tendue. C'était très drôle, Parker. C'est moi qui réagis de façon excessive. Vous êtes sûr? On devrait faire une pause. Je vais nettoyer tout ça et préparer le prochain test. Dites, je veux pas être indiscret, mais vous vous connaissez depuis longtemps, vous et Norman? C'était mon binôme de labo à l'université. On est devenus amis. On a fondé notre société. Nous voulions tous les deux changer le monde, mais pas de la même façon. Quoi? Vous étiez chez Oscorp au tout début? C'est en partie de moi que vient le nom Oscorp. À la fac, tout le monde nous appelait les Oses. On a ajouté Corp et voilà. Ça sonnait plutôt bien. Et pourquoi vous êtes parti? Norman est devenu obsédé par la génétique. Il a lancé un projet que je considérais immoral. Et puis il y a eu... Au final, les avocats s'en sont mêlés. Je suis parti en échange d'une compensation. Mais cet argent n'a pas fait long feu. Et depuis, je vis de subventions. Si ce projet n'aboutit pas... Vous en faites pas, ça va marcher. Attendez, je vais réparer ça. Je vais refaire du café. Pense à faire un diagnostic de l'unité centrale. Il y a peut-être un courju. Ah, on est en mode scientifique une fois de plus. Pas top. Tension Je dois incorrecte. déblayer Oh là 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 là, on va faire une dérivation. À mon avis, il faut passer par la gauche. À mon avis, on va essayer de passer par en bas. On va voir ça. Ensuite, on va mettre la tension à plus 4 et à 1, si j'en ai un. J'ai pas de 1. Oh là là. Donc, on va essayer de mettre... Ok, d'accord. Je peux l'effacer, mais je suis obligé de mettre un truc comme ça. D'accord, on va mettre plus 4. Et on va mettre... 3. Ensuite, est-ce que je peux effacer ces pièces? Oui, si je les efface... Je peux pas, d'accord, ici je peux pas. Donc du coup, si je fais ça et que je reviens en arrière, je fais ça, ça. Ensuite je fais ça. Ensuite je fais ça. Ensuite je fais ça. Et je balance, là je suis à combien? Je suis à plus 7. Et je dois mettre un truc à moins 3.
Donc je suis à 4. Et si je mets un truc à 2, plus 3 ici, je vais mettre. Je vais mettre plus 3. Pourquoi je peux pas le mettre? Ah, parce que j'en ai 0. Ah putain. Si je mets plus 5. Plus 5. Ah, ça y est. C'est bon. Plus 5, plus 3, moins 3. On est à 5, 5. Et là, on est bon. Parfait. Oh là là. Quelle intuition! Oh, si tu prenais les commandes cette fois. Oula, qu'est-ce qu'il a? Il a l'air d'avoir mal au bras. Je crois qu'on a réussi. Maintenant, l'interface neurale. C'est beaucoup de travail pour un seul homme, à mon avis. Vous êtes sûr que ça ira? J'ai bien des doutes après le fiasco d'aujourd'hui. Parce que si je vais travailler ailleurs... C'est que financièrement... Je sais, ça fait rien, je vais me débrouiller. Et puis, peu importe l'argent, on essaie de changer le monde. Un monde meilleur. Ah, qu'est-ce qu'il est gentil, ce Peter. Il travaille gratuit. Alors ensuite... Elle manquait d'MJ. Allez, je peux quitter le labo, c'est parfait. Docteur, je dois y aller, mais... Je repasserai tout à l'heure. T'en fais pas, il restera bien assez de travail pour tout. Ouais, à plus, docteur, à plus. C'est bien parce que même pour les images de temps de chargement, ils nous ont mis la tenue qu'on avait actuellement. C'est-à-dire celle de Civil War. Allez, on a gagné de l'XP, c'est parfait. On va essayer de trouver une petite tour, le temps qu'une mission principale se mette en place. On a pratiquement tout là. On a pratiquement tout. Il nous reste que quelques points, c'est parfait. Eh, hey, désolé, j'ai loupé ton appel. C'est toujours bon pour le dîner? Le dîner? Ah, oh, ouais, je t'appelais pour autre chose en fait, mais... ouais, on devrait en parler à table du coup. Mon offre de passer par la cuisine est toujours valable. Ah bon? Ok, je vais vivre dangereusement. Je suis pas rentrée, mais je passe acheter des trucs et je te fais signe quand je suis chez moi. Ok, à plus. Très bien. Dîner chez MJ, enjeu minimum. Enjeu minimum. Ah, il a encore faim, le Peter Parker. Hein. Il veut c'est la petite May. Oui, Jane. Allez, on se dirige vers la tour de surveillance. C'est quoi ces trucs là, ces tours de guet là qu'il y a là? Allez, c'est parti, décryptage. Ok, c'est la deuxième de Hell Kitchen. Toujours pas de mission principale. On va filer sur la prochaine tour qui est ici. Qui menaçait la ville. Mais depuis l'explosion à l'hôtel de ville, je dois bien admettre que vous aviez raison. Beaucoup d'auditeurs me disent la même chose. Ils me félicitent. Mais je suis pas là pour qu'on me félicite. Allez, on est bon. J'aurais adoré avoir tort. Elle est ici. Mieux encore, que ceux qui sont au pouvoir m'écoutent et fassent quelque chose. Alors, voyons voir le décryptage. On va agrandir un peu. À moins que des citoyens engagés, on est pas mal. Fassent suffisamment de vacarme. Manifestez-vous. Prenez votre ville, c'est notre seule et unique. Toujours pas de mission principale, on va continuer avec les tours. En plus, il y en a une qui est juste là. Tous les jours. À toutes les unités, nous avons un engin explosif actif dans le secteur. À tous les agents de Riverside, rendez-vous sur place. Thank you.
Allez, ça y est, on est arrivé. C'est ici. Oulala, elle est en train de fumer celle-là. Bon, c'est pas bien compliqué à chaque fois. Parfait. Allez, la tour suivante. Ça fait pas beaucoup d'XP à chaque fois, n'empêche. Hein. Allez, à prochaine tour. Ici. 600 mètres. On en profite. On va attendre les appels. Je crois qu'il attend le soir. Il attend d'avoir rendez-vous avec... avec Mary Jane, je pense, non? Attendez, attendez, il y a une tour ici. Coucou MJ. Bon, je suis passé faire quelques courses pour le repas. J'ai hâte de voir le cuistot à l'œuvre. J'arrive dans pas longtemps. On va en prendre plein la vue. Ça y est, Mary Jane est prête. Ah ben j'ai failli attendre Mary Jane. Hein. C'est parti, go rancard avec Mary Jane. Par contre, ça serait cool de nous lancer des petits... De trouver des... Des déplacements rapides maintenant. Parce qu'on va pas s'amuser à traverser toute la map. Allez, ici, il y a une grande allée. C'est parti, on va accélérer. Voilà un pigeon. La chasse est ouverte. Les pigeons, on s'en fout pour le moment. Elle est super longue cette allée, n'empêche. Sale piaf. Eh ben dis donc, tu vas très vite quand même. Hein. Allez, encore 600 mètres. Vous imaginez... Vous imaginez comme elle est, comme elles sont longues les rues à New York. C'est un truc de fou. Viens là, on s'en fout les pigeons, on va voir Mary Jane parce qu'on n'est pas un pigeon. Ok, c'est ici. Pas mal la fresque là aussi. Hein. Peter, tu vas jamais vouloir me croire. Tu sais, l'adresse que tu m'as donnée, j'y suis allée. Oh, MJ. Je sais, mais attends. Qu'est-ce que c'est? Écoute. Quelques minutes plus tôt. Je sais pas pourquoi j'en suis sûr. Plus tôt dans la journée. Voilà, j'en étais sûr. Donc elle est dans un hangar, il y a des gardes, et elle est, on est en mode discrétion. Et je dois me retrouver là-bas à 24 mètres. Sans... Oh putain. C'était un putain de ratasse. Allez, on va faire le tour. On va faire du bruit. Pour pouvoir y aller tranquillement. Parfait. Oh là là, c'est quoi ce gros là? Oui, bien costaud celui-là. Alors, quand il y a du monde. Que des échantillons. Attention. On bosse encore sur le mélange. Et je te jure, ça en va. Shred, quoi. Oh con. Oh con, je me suis fait serrer. Bordel de merde. Alors, on reprend d'où? D'accord, on reprend d'ici. Ça va, il y a des checkpoints, ils sont gentils. On se quitte ici.
Est-ce que Mary Jane va réussir à s'en sortir? On le sait déjà parce qu'elle a rencontré Peter Parker plus tard. Mais on va voir comment elle s'en est sortie. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain. A plus dans le bus et à bientôt dans le métro.